avez un succès phénoménal. Gracie disait que la réussite, c'est souvent la revanche sur le bonheur. Mm-hmm. Est-ce que ça s'applique à vous? Probablement, oui. Oui, c'est très difficile d'être heureux. Est-ce que quand vous étiez petite, vous vous disiez, quand je serai grande, je serai chanteuse? Non, du tout. Je crois que je ne me suis jamais posé cette question. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Je ne sais pas. Et à quel moment vous avez eu envie de devenir chanteuse? C'est un hasard. Je voulais être actrice, donc j'ai pris des cours de théâtre. Oui. Mais ça, c'était plus tardivement. Et puis, c'est une rencontre qui a fait que j'ai commencé la chanson. Puis vous êtes dit, je me lance là-dedans. Là, je crois que c'est la vie qui m'a happée. En tout cas, je me souviens d'être dit, je sais que c'est ce que je veux faire, surtout au travers de l'écriture. Quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup aidée et intéressée. Votre spectacle est très spectaculaire, est un grand déploiement, ça ne ressemble à rien. Autant c'est très spectaculaire, autant c'est très, parfois très émotif, très intimiste. Quand vous vivez des moments d'émotion, on sent la foule frissonner avec vous, et vous pleurez même en interprétant certaines chansons, dans quel état êtes-vous? D'émotion intense, c'est quelque chose à la fois qui consume, et à la fois c'est un partage. Est-ce que vous pleurez systématiquement chaque fois? Je ne sais pas, je ne réfléchis pas à tout ça, si ce n'est qu'il y a des chansons, oui, dont les textes me touchent profondément. Et puis c'est vrai que l'écoute que j'ai, qui est d'une grande, grande qualité, d'une grande chaleur, me provoque aussi, me suscite des émotions. D'être à la messe, d'une cérémonie. Et après la cérémonie, après la communion avec le public, parce que c'est très, très intense, est-ce que vous ressentez un vide après cette grande force? Je le ressens fatalement, mais c'est plus après quand une tournée est terminée. C'est vraiment un grand trou noir. Là, j'ai la chance d'être accompagnée et entourée. Donc c'est vrai que le plongeon est assez bref. Maintenant, la nuit, parfois... propose d'autres choses. Les paupières ont du mal à se fermer. Oui, beaucoup de mal. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Je crois que c'est le spectacle qui revient en boucle. Parce que j'ai considéré comme étant des erreurs. Je pense à des textes, je pense à des mouvements, tout ce qui fait le spectacle. Arriver à tout gérer, par exemple, le spectacle, c'est vous qui l'avez conçu. C'est moi et beaucoup d'autres. Je crois que faire les choses seules, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai mis le dialogue, soit avec 1, 2, 10. Maintenant, donner naissance à quelque chose et puis après, faire appel à des gens de talent autour de nous. Non, mais vous le portez sur vos épaules. Je le porte sur mes épaules, en tout cas au moment... c'est-à-dire quand je rentre sur scène, c'est vrai qu'il n'y a plus que moi, mais aussi des danseurs et des musiciens, et une technique. Mais c'est vrai que si moi je flanche, le spectacle n'est plus. Québec. Et où vous avez vécu exactement au Québec? En région, à Montréal? Je
province du Québec, je ne sais plus. Je me souviens simplement du Mont-Sainte-Marceline, si ça peut vous aider. Le reste, je ne sais pas. Vous alliez chez les sœurs, chez les Marcelines? Oui. Et pourquoi vos parents, qui sont quand même français, parce que vos parents ne sont pas québécois, on dit souvent que vous êtes québécois, vous l'êtes parce que vous êtes né au Québec, vous avez un passeport canadien, mm-hmm. mais pourquoi vos parents étaient venus au Québec? Pour raisons professionnelles. Et ils sont retournés en France aussi pour raisons professionnelles? Mm-hmm. Est-ce que vous étiez contente de retourner en France? Je ne peux pas, je pourrais mentir, je n'ai pas ce souvenir-là non plus. Mais quand même, pour une petite fille, de passer du Québec à la France, donc c'est une autre culture, avez-vous eu un choc en arrivant ici? Écoutez, on m'a dit, alors je vais vous répéter ce qu'on m'a dit, oui, que c'était quelque chose d'assez difficile. Maintenant, moi-même, je n'en ai pas de souvenir. Il y a des tableaux qui sont très sexy. Vous êtes quand même, peut-être que vous n'aimerez pas l'expression, mais vous êtes un sexe symbole. Que vous le sachiez ou non, mais vous êtes très belle. Est-ce que vous vous trouvez belle quand vous vous voyez sur scène ou quand vous regardez les vidéos? Non, ce sont des moments difficiles pour moi. Je préfère voir l'ensemble, voir si le moment est beau, riche, émouvant, mais quant à moi, me polariser sur moi, je sais que ce n'est pas difficile. Oui. Pourquoi c'est si difficile de parler de vous, de penser à vous? Il n'y a pas de réponse. De vous regarder. Je ne sais pas. Vous êtes aussi libertine que dans vos clips? Je sais que cette question revient souvent, je ne peux pas répondre à cette question-là. Attendez, comment je pourrais la formuler? Vous regardez, allez, rame! Rame ma vieille! Je t'écoute! La prochaine question, est-ce que vous aimeriez être comme dans vos clips? C'est une chanson, c'est une chanson. Après, on a envie de mettre des images, de raconter une histoire à travers cette chanson. Sinon, c'est un moment choisi, un morceau choisi. Il faut dire que si j'exprime sans contrefaçon, je suis un garçon, si vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours envie de mettre un mouchoir dans votre pantalon, je vais dire non, c'était le passé. Maintenant, j'ai exprimé ce moment-là. Mm-hmm. Ça ne veut pas pour autant dire que je dois véhiculer ou cette image ou ce sentiment toute ma vie. Vous oubliez en ce moment à parler de vous, parce que j'ai pas le choix, puisque je fais une interview sur vous, je peux pas parler du canapé entier, on va dire, sur lequel vous êtes assis. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, d'être chez le dentiste et qu'on va vous arracher une dent? C'est pas à ce point-là, mais c'est une sensation de malaise, mais... Vous avez une araignée en vous, vous êtes une petite bibitte. Est-ce que... Non, mais... En tout cas, pour moi, vous êtes une petite bibitte, dans le sens que... Ça veut dire quoi? Une bibitte, ça existe? Parce qu'il n'y a pas de mot bibitte ici. En France, une bibitte, c'est... en québécois, une bibitte, c'est un petit moustique, genre avec des pattes. Vous prenez beaucoup de risques, vous faites des cascades, vous galopez à cheval, vous êtes attaché sur les trains. Est-ce que vous êtes déjà blessé? Brûlé deux fois sur le train pendant le dernier clip. Il y avait du feu à proximité, très 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 chaud. Probablement des bleus, oui. Je suis quelqu'un de très physique. J'aime ça, j'aime cette prise de risque. Est-ce que vous aimez souffrir? D'une certaine manière, pardon, oui, certainement, certainement. Vous partagez votre vie avec un singe qui s'appelle Kiki.
Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes dit, vous êtes levé un matin en disant, tiens, aujourd'hui, je vais me procurer un singe? Je crois que ça s'est passé comme ça. J'avais envie d'un animal et je suis allée dans les magasins qui, malheureusement, vendent des animaux et je suis tombée sur cette peluche. Et vous l'avez vu tout de suite, comme ça? Immédiatement. C'est tentant d'avoir un singe. Oui. C'est un coup de foudre? Ah oui, total. Instinctivement, on sait comment élever un chien ou un chat, mais est-ce que instinctivement, vous saviez quoi faire avec le singe? Oui, j'ai dû être singe dans une autre vie. C'était très facile. Vous croyez en la réincarnation? J'aime cette idée, elle est très poétique. Oui. Et qu'est-ce que vous voudriez être dans une autre vie? Ben, puisqu'on ne peut pas être un animal, je serais forcément un humain maintenant. Peu m'importe, vivons celle-ci. Et je te rends ton amour. Vous êtes proche de Salman Rushdie, pour qui, en quelque sorte, le monde est une prison. Mmh. Et vous, vous avez déjà dit, parfois je me sens enterrée vivante. Est-ce que vous avez l'impression que votre liberté, à vous aussi, vous échappe? Parfois, mais je ne suis pas sûre que ce soit le monde environnant qui m'impose ça. Je crois que c'est moi toute seule, effectivement. Et quant à Salman Rushdie, c'est quelqu'un de très gai dans la vie, hein, qui a beaucoup d'humour. Est-ce qu'il vous communique, cet humour? Ah oui, totalement. Oui. Grands éclats de rire ensemble. Qu'est-ce qui vous attirait chez lui? Pourquoi vous avez envie d'aller à lui? Parce que c'est quelqu'un de charismatique, parce que c'est un grand écrivain. Je n'ai pas tout lu ses livres, mais certains. Et puis parce que ce qu'il a vécu est quelque chose qui m'a profondément touchée. Et j'avais envie, voilà, de se trouver. On s'est rencontrés lors d'une soirée. Je suis allée spontanément vers lui, j'avais envie de le connaître. On vous sent moins sombre qu'avant. Toi, je ne suis pas sûre que je puisse répondre à une question comme celle-là. Je crois qu'on a tous ces ombres, donc je les porte en moi et que je les porterai jusqu'à la fin de mes jours. Je crois qu'on apprend aussi avec la vie, avec le temps, ses expériences. Il a encore tenté que de laisser ses fardeaux de côté parfois, mais maintenant ça ressurgit tellement vite. Votre plus grand hit, ou en tout cas un des plus grands hits, c'est Désenchanté. Qu'est-ce qui vous enchante? La gentillesse, la générosité. Toute forme d'art, comme la peinture, la littérature, le cinéma, et puis... le voyage, j'aime le voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir souffert avec moi. Ah oui, je peux vous dire, mais je suis très content de vous. Hein. J'avais une belle réciprocité dans la souffrance.